Allô, Patrick. Salut, ça va bien? Alors, on commence. On rit déjà. Ça manque de déco, d'ailleurs. Regarde, on va mettre... C'est correct, ça? C'est vraiment Pinterest. C'est l'entrevue la plus Pinterest que j'ai faite. Comment ça va? Ça va super bien. Là, t'arrives de faire des entrevues ce matin, tu t'en vas à la télé tantôt. Là, c'est ta vie en permanence. Oui, c'est l'horaire de... Là, je suis en tournée. Ouais. J'ai lancé mon nouveau show, je m'en vais partout. Samedi, je fais un show pour les sourds. Pourquoi je te compte ça? Oui, c'est la première fois. J'ai un interprète sur scène à côté de moi. Ouais, il était à deux pieds de moi, on s'est vu la semaine dernière. Lui a appris mon show, mais par cœur presque. Il connaît, puis il faut, parce qu'en humour, c'est complètement différent. Fait qu'il y a des choses qu'il faut imager différemment et tout ça. Puis même que je pense qu'il y a un ou deux gags, il va avoir des références vidéo. Parce que ça se dit pas vraiment en langage des signes. Fait qu'en tout cas, ça va être écœurant, une super belle expérience. Puis toi, en show, t'es sensible. Donc là, c'est quoi, là? Est-ce que t'as un rituel? Comment ça marche? Si tu veux pas avoir de son, personne ne peut aller te voir? En fait, c'est la concentration. Moi, j'en ai pas beaucoup. Je suis un hyperactif. Puis, tu sais, comme quand je suis au téléphone, si quelqu'un me parle live, oublie ça le téléphone. Là, je fais déconcentrer facilement. Fait que sur scène, c'est un peu la même chose. Si un technicien parle en coulisses, si quelqu'un échappe quelque chose. Tu sais, là, j'ai déjà une salle à gérer, puis mon show à gérer. Puis quand je suis sur scène, j'aime ça avoir les deux pieds groundés, puis être avec mon public. Puis, fait que je trouve pas ça juste, ni pour moi, ni pour eux autres, quand il y a de quoi qui se passe en coulisses qui n'a pas rapport à ce qui est en train de se passer là. Là, la job, comment ça va? Je te le dis, je suis tellement heureux, je suis tellement bien. Je parle de ça dans mon show, d'ailleurs. Du bonheur? Ouais. Moi, quand j'ai eu 40 ans, j'ai pensé à mon père, moi, qui m'avait dit, il y a longtemps, quand j'avais 17, lui, il a eu 40. Puis il m'avait dit, Patrick, j'ai 40 ans et j'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Je me disais, tu sais, on est quand même dans une société où personne ne veut vieillir, mais tu sais, plus on vieillit, plus on est heureux. T'aimes ça, toi, vieillir? Moi, j'aime ça. Je vieillis. Je pense que oui. Tu sais, moi, je pense que peut-être que quand j'étais plus jeune, je m'en faisais avec tout, puis la fin du monde, où c'est qu'on s'en va, puis quand on est mort, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Je me suis tellement cassé la tête avec plein d'affaires que je pense que c'est pour ça que je suis allé bien naturellement vers l'humour. Parce que la grande force de l'humour aussi, c'est de savoir dédramatiser. Mm-hmm. Ça fait du bien des fois. Là, je veux dire, je suis un gars hyper sensible, là, ça, en partant. Là, fait que, mais oui, ça me touche. Puis l'environnement, ce que tu disais tantôt. Puis je me suis rendu compte aussi qu'avec l'humour, on est capable de faire réfléchir, mais d'une autre façon. Puis on est capable de regarder ça plus positivement ou avec un grain de sel. Fait qu'il y a de quoi de beau là-dedans de vieillir, d'être bien entouré. Puis de... Mais toi, tu vieilles bien. Mais merci, t'es merci fine de me dire ça. Arrête, j'ai un petit coat jeans. Ça te donne c'est tes yeux. Nice! Non, c'est nice. Sick et nice. Sick, t'es sick, papa. C'est nice. Merci. Tiens. Oh, la t'as plante. T'as pas supposé, mais là, ça a été tellement fun.